No te vuelves a conectar. Toi, t'es assis. Et toi, t'es en bas, si. Moi, je ferais bien mes taillots. Ah non, plus alimentaire. Bonsoir, connectez-vous. Partagez, oh. Partager, je vous ai dit que je voulais le nombre. Si je n'ai pas le nombre, moi je ne fais pas écouter les voix. Si je n'ai pas le nombre, je ne fais pas écouter les voix. Je les garde. C'est ça qui est ça et ça, monsieur. C'est bon. Merci. Me tamser. Donc, moi. Voilà, les voix, c'est bon. Le volume est parfait. Partagez alors le nombre. J'ai toute la tiraille. J'ai toute la tiraille de d'une notable. Tous les petits cadeaux que j'ai. La connexion est lente. La connexion est lente. Là, on est en wifi. Je suis en wifi. Oui, bah oui, je suis en wifi. Je vous ai dit hier soir, pour ceux qui m'ont écouté, ceux qui étaient là hier soir, que ah que fortune, la fortune Bia, ma petite soeur chérie d'amour. La femme de mon petit frère Paul Désibia. Bebangwe, moyen. Ma soeur Akonolinga, sûre. Les femmes sûres de la valeur sûre. C'est ça qui est ça et ça ne me chauffe pas. La fortune Bia, ma petite soeur, bonsoir. Valoche, bonsoir, Valoche. Attendez, le téléphone est tombé. Je vais le remettre. Je compte sur vous, les filles, pour les partages. Hein. Je compte sur vous. Vous savez que. Je vous fais confiance. Côté partage, je sais que vous êtes là. Je ne sais pas où est Marie-Lou. Marie-Lou, bonsoir. Bonjour, neveu. Bonsoir. Là, c'est bon, ça ne va plus tomber. Bonsoir. Partagez ni. Karim Nikez, abo solo. Bonsoir, Mojang. Je partage d'abord, c'est bien, Valo. Je partage d'abord, Mojang sur. Parce que. Quand j'attrape déjà les choses traditionnelles de chez nous là, c'est que l'heure est grave. L'heure est grave. Il y va. Je vais vous faire écouter des voix. Et en l'occurrence, un voice qui est le plus intéressant, qui a certainement amené notre sœur Marlène a fait des sorties, plusieurs sorties sur la première dame. J'ai ce voice-là, on me l'a renvoyé. Carole Cangalaise, bonsoir ma sœur, bonsoir Mojang, bonsoir Carole, bonsoir. Donc, partagez alors, je compte sur vous, partagez. Moi, je veux le nombre aujourd'hui. Vous savez que je ne suis pas souvent là tout le temps. Mes occupations, ma vie de famille ne peut pas me permettre d'être toujours sur les. Et puis, si vous me voyez faire une sortie, oui, maman. Oui. Si vous me voyez faire une sortie, c'est que c'est quelque chose qui me turlupine, et que je veux pas recadrer, mais remettre un peu les choses à jour.
Naya, Emma. Naya. Je sais que tu es là, non? Julienne Assomo, bonsoir. Bonsoir, nous sommes déjà à 230 personnes, c'est pas assez. Si on arrive même 500 déjà, c'est bon. Je lance les premiers voices. Si on arrive à 500 personnes, je sais que je peux déjà lancer les premiers voices. Parce que les voices et après l'autre, ils sont longs. Donc il faudra vraiment que vous soyez attentifs. Surtout vous, le peuple et que vous soyez attentifs et que vous compreniez les enjeux. Les enjeux de ce qui se passe. Pourquoi certains de nos patriarches et matriarches se permettent maintenant de vouloir parler, de dire qu'à un moment donné, il faut que les gens disent les choses comme ils doivent dire. C'est ça qui est ça. Parce qu'on ne peut pas toujours, comment on dit ça, grâce Ngombe, Tara, ma soeur étonne. Bonsoir, ma sistou. Bonsoir, ma sistou d'amour. Grâce Ngombe Tara, bonsoir. Jean Calvin Osso. Bonsoir, Jean Calvin. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Il faut faites monter le compteur, s'il vous plaît. Faites monter le compteur. Faites monter le compteur. Voilà, ça monte déjà, c'est bien. Partagez. Envoyez partout dans les groupes. Envoyez où vous pouvez envoyer. Vous voyez que, comme la tradition l'exige, on se permet de voir du bon vin. Oui, c'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. On m'a offert ça. J'aime même encore pour sa majesté Atebonko qui est là, pour mon mari qui est là. Voilà pour moi. Toute miniature. À votre santé. Minkwedesti, bonsoir ma soeur. Ma soeur d'Amérique. Bonsoir Mojang. Mojang Yamirka, bonsoir. Sarah Connor, bonsoir Mojang. Bolom, 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 boli. Je ne m'en mette à nous. Va. Vous savez que quand on veut parler aux grandes personnalités, quand on veut qu'eux-mêmes, ils écoutent ce qu'eux-mêmes disent, il faut être bien. Tout le monde, les personnalités aiment le bon vin rouge. Il est très bon, je vais le goûter devant vous. Dans ce qu'il y va de droit. Je suis notable, c'est normal. Ce n'est pas tout le monde qui boit là-dedans. Moi, je suis notable. Donc, je peux boire là-dedans. Donc, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, mes papas et mes mamans, ne vous fâchez pas. Moi, je suis notable, je bois là-dedans. Le verre, là, c'est les problèmes seulement. Je sais. C'est pour ça que je me suis permise de dire que mes aînés ne se fâchent pas. Je suis notable et quand de la diaspora. Voilà. Il faut donc que... Moi, je ne peux pas aller regarder. Je ne peux pas. Si j'entre ici, là, ça va encore bloquer le téléphone comme hier. J'ai eu trop de problèmes hier. Je vais donc commencer par... Parce que sinon, moi, je risque de finir où c'est à minuit. Les voices sont longs. Partagez-ni. Bikoum intermittent. Qu'on arrive à 500 personnes. Partageons. 500 personnes, c'est bon. Florine. Oh, ma petite soeur Florine Annette. Ma petite soeur Florine Annette Mungue. Bonsoir, ma petite soeur chérie. Bonsoir. J'éteins la télé. Oh. Je baisse le volume. Les dessins animés. Voilà. Allons-y, on partage, parce que c'est votre histoire. Je veux que vous sachiez que tout ce qui va se dire sur cette voice, c'est votre histoire, c'est pour votre intérêt. L'intérêt du peuple et quand que nous sommes, vous et moi. Ce ne sont pas des voices de Congo, ça. Ce ne sont pas, oh, diamant brut au doigt. Ma petite soeur chérie sûre, bonsoir, Mojang. Bonsoir, Mojang. Donc, c'est pour nous.
Parce que je vous ai toujours dit que quand quelque chose se permet d'arriver sur les réseaux sociaux, il faut prendre d'abord le temps d'écouter et de comprendre le pourquoi notre sœur Marlène Mvoutou, que tout le monde connaît. Je vous ai dit aussi que Marlène Mvoutou, c'est une femme très intelligente. Bon, elle a les lacunes comme tout le monde, sa façon de faire et tout, que tout le monde n'adhère pas forcément. Donc, Dorothée Charlotte, ben, y a la bonsoir, ma soeur. Virginie Adja, bonsoir. Donc, que tout le monde n'adhère pas forcément. Mais je vous ai dit que moi, j'avais le voice qui a amené. Parce que beaucoup, ce qui tue les camps, c'est que parfois les camps ne s'est pas dit la vérité à un de ses frères ou de ses soeurs que non, comme tu vois là, voilà ce qui se passe. Nous sommes là, on préfère parler derrière, parce que Biadjing Minsos, oui, l'homme et la femme et quand aiment le Minsos et le Fou, voilà ce qu'on aime. Mais tu ne peux pas venir devant vous qui avez le pouvoir de pouvoir vous agresser à notre mère de la nation. Hein? Vous passez dans les bac-bac. Vous oubliez que vos groupes que vous créez là, les groupes WhatsApp que vous créez là, vos histoires que vous vous racontez là-bas, peuvent facilement se to tomber n'importe où et chez n'importe qui, voire même chez vos pires ennemis. Voilà. C'est ce que je vous fais écouter ça pour que vous sachiez que ce que vous racontez dans les groupes WhatsApp, ça ne se cache pas forcément. Ça ne se cache pas. Au lieu de faire une sortie officielle, de vous adresser à notre mère de la nation, hein, d'avoir ce courage. Miak miak Allah mam, en vous, mine 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 borbe mine bina bubia mina tuna. Parce que bibia ya mina sil be compte. Bien mina sil be compte. Ne djengalo. Ngumnyayi na. Amana gouvernance. Papa Paul. Aman dans la honte. Ça vous engage. Mais ne traînez pas tout le peuple dedans. Parce qu'il en est hors de question que vous avez tenu le Cameroun pendant plus de 42 ans, main bras de fer. Et que quand ça part déjà vers la fin, vous voulez que ce soit Ebrouganganga qu'on porte la honte mondiale et voire même toute la honte du Cameroun. Moi, je vous dis tout de suite que je ne suis pas d'accord avec le chemin que vous essayez de prendre là. Si vous avez à dire, dites-le. Parce que vous prenez les gens comme Marlène Mvoutou. Elle a parlé ce que vous tous confondus, élite et camp confondus, père, mère, fils et autres, vous pensez dans les barbares. Elle est venue, elle a mis sa caméra. Elle a attendu même d'être en Occident pour pouvoir le faire. Vous pensez tous ce que Marlène Mvoutou dit sur la première dame. Vous le pensez tous. Mais on voit mina, hypocrite. Mina, mi sauce. Mi toffe, un bon fou. Ça vous arrange que quelqu'un d'autre se salit les mains à votre place. Nous ne sommes pas là-bas avec vous. Une comme moi, je suis le bas peuple et quand plus bas que terre. Une comme moi, je suis le bas peuple et quand plus bas que terre. Dans les insultes que les autres nous insultent là. Parfois, moi-même, je me retrouve dedans. Parce que j'ai vécu ça. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi dans cette misère-là. Pourtant, on nous dit que c'est nous qui avons le pouvoir. Mais nous sommes les plus miséreux. Et ça, je ne comprends toujours pas pourquoi. Aujourd'hui, au lieu de vous agresser directement à notre mère, votre mère, ma mère, vous passez dans les barbacs. Vous attendez qu'il y ait une courageuse digne de ce nom. Hein? Yacine, il faut une sacrifiée. Oui, il faut une. Envoyez les cœurs. Ça bug. L'homme ne vit que cœur, pardon. Il faut une sacrifiée.
Marlène et vous t'a dit que bon, s'il faut me sacrifier, je me sacrifie. Les autres ont voulu prendre ça comme si c'était un affront, mais moi j'ai compris parce que vous savez que Dieu ne donne pas à tout le monde l'opportunité d'avoir l'intelligence d'écouter et d'analyser et de juger. Maintenant que nous allons presque atteindre 400 personnes, je vous ai dit que je vais mettre le voice si on est 500. Si on n'est pas 500 personnes, je ne mets pas le voice. Le premier. Parce que ça vous concerne. Missi, Jambo, Nyaboro, Yunam. Yon te min bongo. Mina, bibse. Bien, bien bonheur. Ici, Jome, ya concerne bien. Jamdi. Jamdi. Ya concerne bibse. Envoyez les cœurs. Ça bug. Mais yon yon bonheur. Il va pas signaler pas. L'homme ne bibe cœur. Le cœur va pour l'homme. Anna. Sandra Marlene, merci ma soeur. Mais pas les cœurs comme ça. Les cœurs qu'on appuie où il y a les cœurs. Ok. Je vais répondre aux questions après, pas maintenant. Laissez-moi d'abord faire tout l'intro que je suis en train de faire. Je peux répondre à vos questions si vous le voulez. Donc, ça arrive à un certain moment où il y a les aspirations. Mamezi Malouran, Minbeti, Mineka. Mvolmine Kwani. Mvolmine Kwani. Nyayen. Nyak miaka koba bini. Nyak miaka koba bini. Olen min nominga wan. Nyawan, Missilien, Kane ya veni, yon yon kake tolindonji, Kane ya veni, moi perso, j'avais vu une image de notre Nomgi sur les réseaux sociaux qui m'a choqué, qui m'a outré, qui m'a mis les larmes aux yeux. J'ai fait un post sur les réseaux sociaux, j'ai dit que, mais, on va où là? Nous savons tous que il a pris de l'âge. Nous savons tous que, surtout nous qui vivons en Europe ici, nous connaissons que à un certain âge, ce n'est plus tellement ça. Nous sommes conscients. Même si vous faites semblant, vous et moi, nous sommes conscients. On le prend, on l'habille en rose bonbon, hein? On l'habille en rose bonbon, on le filme les poils. Les poils naissants, les poils de la poitrine des hommes là, en l'air, avec tout dehors. J'ai pris la photo qu'on avait mise publique, parce que c'était une photo publique. J'ai pris une photo, la photo là, j'ai mis sur ma page, j'ai dit que je n'accepte pas. Ne donnez pas le pouvoir aux gens qui nous fouettent, de nous fouetter encore plus. Hein? Hein? Ne donnez pas le pouvoir aux gens qui nous fouettent. De nous fouetter encore plus. Comment un patriarche, un Nomgui, un président de la République, avec les habits froissés, nous connaissons l'élégance de notre président. À Kikle, nous connaissons l'élégance de notre président. Vous le prenez, vous venez l'afficher, avec un pantalon qui déborde en bas, froissé jusqu'aux os. Même pas le petit, le petit truc que les hommes mettent souvent en bas là. Les boutons commençaient ici. C'est une image qui m'a choqué. J'ai fait un post. Après, j'ai eu un appel. Une de mes compatriotes qui m'a dit que, Mojang, J'ai dit que, mais on va toujours dire, non, ce n'est pas une belle image. On l'a toujours connu beau, élégant, fier, posture d'un homme. Et aujourd'hui, on nous affiche une image d'un papy grabataire, mal habillé, avec des habits froissés, avec des poils de la poitrine béante dehors. Mikala. Mikala. Nous sommes déjà 471 personnes. Donc, je peux déjà faire écouter. Je vais commencer par le live même. Je vais commencer par le live qui
Ma foi, je n'ai pas la certitude. Ma foi que je pense qui a poussé Marlène Mvuto, une digne fille du Ndjaye Lobo, à sortir dehors. Parlez de ce que vous tous vous pensez, mais vous la fermez. Crois que c'est celui-ci. Mes chères Camerounaises et Camerounais, partagez, mes chers militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, voilà. Chers membres du ministère des cultes, de la société civile et chers sympathisants de la République du Cameroun. Écoutez, ce message que j'enregistre aujourd'hui en tant que Jean-Jacques Honoré Nsou, docteur Jean-Jacques Honoré Nsou, comme les gens aiment souvent l'entendre, ouais. Je suis originaire du village Meyos, dans la petite tribu des Essabikoula, dans le canton Loblo, commune et arrondissement de Sambelima, département de Diallo et région du Sud, en République du Cameroun, bien sûr. Et en tant que militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je m'incline devant cette obligation qui consiste à souhaiter un joyeux anniversaire à notre présidente d'honneur de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, OFRDPC, qui est aussi la première dame de la République du Cameroun parce que épouse de notre président national, le grand camarade Paul Biya, qui est aussi président de la République. Eh bien, comme tout anniversaire nous permet d'essayer d'évaluer le chemin parcouru, je n'oublie pas d'abord, de commencer par vous souhaiter une bonne santé, du bonheur, de la prospérité, de l'argent, il y en a déjà, beaucoup d'amour envers votre mari, et également de bonnes relations avec vos sœurs, première dame dans le monde et les autres femmes. Je ne saurais terminer sans vous faire un message très important parce que vous vivez des moments particuliers, dans une situation particulière, dans votre peau de première dame de la République du Cameroun. Votre mari atteint un cap exceptionnel qui n'existe même pas dans mon village. Parce que si je dis qu'il y a encore un homme qui a 85 ans dans mon village, c'est un peu raconter des histoires. Puisque je sais que dans ma propre famille, les hommes les plus âgés ont 63 et 62 ans. Nous ne connaissons pas vraiment la possibilité d'avoir un homme de 90 ans qui, dans quelques 2 mois, va fêter ses 91 ans, c'est-à-dire votre époux. En ce moment particulier, permettez-moi de vous dire que l'avenir
n'est pas du tout rose. Parce que depuis 2019, les Camerounais ont constaté que le fonctionnement de nos institutions n'est plus le même qu'avant. C'est-à-dire, de 1982 à 2019, nous avons constaté que la situation n'est plus la même. Pas même apparemment, mais je suis vraiment obligé de le constater aussi, que le président Paul Biya ne répond plus comme cela se doit. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant qui ne se seraient pas passées quand il était vraiment droit dans ses bottes. Aujourd'hui, des décisions que nous voyons, c'est sur hautes instructions, des décisions que nous voyons, c'est des à peu près, des signatures qui sont un peu, comment on peut dire, falsifiées, parce que nous connaissons très bien la bonne signature de notre président de la République et de notre président national, mais aujourd'hui, nous ne la reconnaissons plus. Mais, permettez-moi aussi de vous dire que, avant qu'on en arrive là, en 2019, sur les 41 ans, je pense qu'en 2019, on avait déjà 37 ans d'existence de Paul Biya à la tête de la nation camerounaise. Mais certains manquements se sont vraiment fait signaler, tels que, je peux dire, l'ostracisme des femmes, c'est-à-dire la mise à l'écart, si on peut vraiment le dire, dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'aucune femme n'est présidente de la République, jusque-là dans notre pays, le Cameroun, aucune femme n'est présidente de l'Assemblée nationale, aucune femme n'est présidente du Sénat. Aucune femme n'est gouverneur. Aucune femme n'est générale des armées. Aucune femme n'est encore déléguée générale de la sécurité nationale, ni ministre délégué à la présidente de la République chargée de la défense. Aucune femme n'est encore ministre de la justice, ministre des finances, ministre des relations extérieures, alors que ce sont des postes nominatifs. Il y a à peine quelques femmes préfets aujourd'hui. Cela montre que les femmes qui sont majoritaires dans l'échiquier national subissent la dictature des hommes, alors que vous êtes bien là. Si nous partons de 2019 à 2024, permettez-moi, Madame la Première Dame, de vous dire que la situation est catastrophique. Et nous courons droit vers la situation que nous venons de vivre au Gabon, où une Première Dame a été écrouée avec son fils, alors que l'ensemble des femmes est là au Gabon, qui aurait pu peut-être mal se manifester en disant non, nous défendons peut-être notre première dame. Mais si les femmes se sont tues, ce n'est pas à cause de la junte qui est au pouvoir, mais c'est à cause du fait que les femmes en avaient eu marre. Alors, permettez-moi au cours de votre anniversaire de vous poser la question, est-ce que vous-même, dans votre propre analyse, vous ne voyez pas ce qui se fait autour de vous? C'est vous qui avez épousé un président de la République. Et votre défunte mère est venue épouser un homme de l'Ouest. L'Ouest que nous connaissons très particulièrement virulente envers la gestion du président. Hello, mon temps. Un maire.
pendant que on avait au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le MINPAT, un certain Louis-Paul Moutazé, qui est de la famille du président, la belle famille, de l'ex-belle famille du président de la République. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Parce que depuis, je tire votre attention ici. Depuis que Marlène est sortie, je vous ai dit que Ne m'appelez pas. C'est un voice que beaucoup ont. Moi je suis influenceuse. Je suis sur la toile. Je ne fais pas. Il est bien vrai que je suis un peu arrivée comme tout le monde. Mais je suis une influenceuse qui sait aussi tenir sa langue. J'essaie de tenir ma langue. Je connais les risques et périls. Je connais aussi que moi-même, si ça peut être ma feu. Je vous avais dit dans le départ que j'avais reçu le voice-ci avant mon départ pour aller au deuil de ma tante au pays. Mais je suis partie avec les téléphones qui bug, on dit que oh, c'est trop chargé. Donc j'ai supprimé, donc je n'avais plus le voice. Quand Marlène a recommencé à faire sa sortie, ça m'a rappelé le voice-ci où ce monsieur s'adresse directement à notre première dame de notre pays. Et depuis que je suis rentrée, je vous parle de ça, que Marlène ne parle pas pour rien. C'est quelque chose que c'est déjà là-bas que les patriarches et les matriarches commencent à parler et que ça commence à sortir. Je veux d'abord éclaircir au peuple camerounais que vous êtes, moi aussi d'ailleurs, que le but de ma démarche n'est pas forcément pour nuire à qui que ce soit. Le but de ma démarche en tant qu'influenceuse que je suis, c'est pour interpeller le peuple, qu'on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe dans notre pays. Parce que si des personnages, des personnes âgées, des membres actifs, très actifs du gouvernement, comme ce monsieur qui s'est permis de parler là, ne nous interpelle pas. Quelque chose peut arriver au Cameroun. Nous sommes là, on est seulement là à parler des histoires. Comme on sait que tout ce qui intéresse le Camerounais, c'est la bière et les histoires de Sankalisson. Non. Intéressons-nous un peu au fond de ce qui se passe chez nous. Il ne faut pas que du jour au lendemain, on vous dit au Cameroun que évacuation. Partez, abandonnez tout. Moi, je suis pour les lanceurs d'alerte, mais je ne veux pas les lanceurs d'alerte qui stigmatisent une seule tribu. Je ne veux pas de ce genre de lanceurs d'alerte. Parce que dans le gouvernement, il y a toutes les tribus dans le gouvernement. Ne vous réveillez pas demain matin, même le slip, vous ne prenez pas. Je dis que même le slip, vous n'aurez pas le temps de prendre. Demandez aux autres, demandez aux pays qui ont déjà été en guerre. Oui. Tu vas sortir dehors de chez toi, comme ça, comme tu t'es levé du lit, en courant pour sauver ta peau. C'est quand tu seras un peu loin que tu vas dire que donc je ne suis pas habillé. Donc ne m'appelez pas. J'ai sonné la sonnette d'alarme depuis là que. Je suis suivi à mon niveau. Je suis connu.
Ce qui est sûr, c'est que tout le monde connaît Bissot Élise. Tout le monde connaît Élise Baton. Je ne suis plus au stade que je veux me faire connaître. Parce que même ma propre famille est quand je suis allé en front avec eux. Et vous le savez tous, ici sur les réseaux sociaux. Vous le savez. Que même ma propre famille est quand j'ai un de mes tontons qui est bien au pays, qui m'a toujours dit que je parle beaucoup, je suis une vraie politicienne. Mais que quand je les ramasse aussi, je n'y vais pas du dos de la cuillère. Bah oui. Parce que je ne peux pas faire que je regarde seulement mes adversaires en face. Je ne regarde pas que si ce que mes adversaires disent, ils ne disent pas la vérité. Je suis l'une des seules qui assume que oui, nous sommes miséreux, les écams. Nous sommes les plus miséreux. Et il faut que non, que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous ne pouvons pas dire que 42 ans de pouvoir... Nous n'avons rien. Ne m'appelez plus. Je remets le voice du monsieur, on va finir d'écouter. Il y en a plein d'autres. On ne va même pas tout écouter ce soir. Ce sera certainement une autre fois quand ça va me piquer dans ma ciboule. Pour bien. Si les journalistes se taisent sur toutes les transactions qui ont été faites là-bas, je pense que des notes restent et demeurent qui seront évaluées, qui seront revues après le départ du président Paul Biya à la présidence de la République. Nous avions vu une synergie africaine. Nous savons qui est là-bas. Le secrétaire exécutif du Synergie africaine est de votre choix. Bref, la famille présidentielle est presque sous le contrôle d'une région. Malgré le fait qu'on va faire des listes des personnes qui sont du département de dialogue, comme vous dites, mais tout le monde sait que des grands avocats de la famille, des grands ministres, des postes clés. C'est vous qui les avez à travers certaines personnalités bien connues de la République et qui sont en train de ponctionner le budget de l'État. Moi, je suis assez direct envers vous. Je suis assez direct dans la mesure où moi, je vous avais connu en 1987, quand j'étais délégué d'agriculture de l'arrondissement de Doumé, j'étais encerclé par un de Nangai Boko, Angel Menduka, le feu Namiga. Et un de Nangai Boko à Dimako, un certain à Yémoni. Je pense que quand nous partions de là, les deux avaient été promus à de bons postes. Un à la Sodecao et l'autre comme intendant à la présidence de la République. Vous le saviez très bien. Et pourtant, nous tous, votre maman et les trois délégués, on se connaissait très bien. Mais moi, j'étais plus proche parce que j'étais à 24 km de Dimako, ayant d'ailleurs même travaillé là avant. Et je pense que le maire, avant même qu'il ne soit maire, le feu Mongi Sosomba avait des exploitations agricoles et faisait également de la coupe de bois dans mon territoire de commandement qui était l'arrondissement de Doumé, où il y avait les petits pôles, il y avait les Goumbé-Girons dans toute cette zone-là. Je le sais très bien. Donc moi, je vous ai vu grandir. C'est quand même vrai que quand j'étais né, vous aviez déjà... Moi j'avais déjà presque 9 ans. Ça fait donc
Je vous ai vu comme une petite sœur qui est née, qui a grandi et qui est là aujourd'hui. Mais peut-être que ma façon de vous protéger, c'est de vous avertir de tout ce qui va arriver dans un monde. Parce que je ne peux pas, moi-même, je ne peux pas voir des gens venir et peut-être vous agresser alors que je suis là et que je devrais peut-être calmer la situation. Mais la meilleure manière de calmer la situation, c'est de vous mettre en garde contre les agissements qui ternissent vraiment l'image de notre pays et qui font du mal. Les députés n'ont pas eu droit à ce qui leur revient. Même si après, on va user de... Envoyez les cœurs. L'homme ne vibre que, l'homme ne vibre que. Sécuriser aussi un peu le direct, non. Moi, je fais ça donc. Même quand on fait un truc qui concerne tout le Cameroun, vous voulez encore déranger. L'homme ne vibre que. Sécuriser le direct, pardon. Je vais reculer derrière parce que quelque chose qu'il a dit là, ça s'est coupé. Donc, on devrait encore aller réécouter cette partie-là. C'est très intéressant. Je ne recule pas de beaucoup. On avait au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le MINPAT, un certain Louis-Paul Moutazé, qui est de la famille du président, la belle famille, de l'ex-belle famille du président de la République, Paul Biya. Si les journalistes se taisent sur toutes les transactions qui ont été faites là-bas, je pense que des notes restent et demeurent qui seront évaluées, qui seront revues après le départ du président Paul Biya à la présidence de la République. Nous avions vu une synergie africaine. Nous savons qui est là-bas. Le secrétaire exécutif de synergie africaine est de votre choix. Bref, la famille présidentielle est presque sous le contrôle d'une région. Malgré le fait qu'on va faire des listes de personnes qui sont du département de dialogue, comme vous dites, mais tout le monde sait que les grands avocats de la famille, des grands ministres, des postes clés, c'est vous qui les avait à travers ces clés par un de Nanguet Boko, Angel Menduka, le feu Naminda. Et à chaque fois que ça arrive sur cette partie, un de Nanguet Boko, à chaque fois que ça arrive sur cette partie-là, ça coupe. Dimako, un certain Ayemoni. Je pense que quand nous partions de là, les deux avaient été promus à de bons postes. Un à la Sodecao et l'autre comme intendant à la présidence de la République. Vous le saviez très bien. Et pourtant, nous tous, votre maman et les trois délégués, on se connaissait très bien, mais moi j'étais plus proche parce que j'étais à 24 km de Dimako, ayant d'ailleurs même travaillé là avant. Et je pense que le maire, avant même qu'il ne soit maire, le feu Bongui Sosomba, avait des exploitations agricoles et faisait également de la coupe de bois dans mon territoire de commandement qui était l'arrondissement de Doumé, où il y avait les petits pôles, il y avait les Goumbé-Gérons dans toute cette zone-là. Je le sais très bien. Donc moi, je vous ai vu grandir. C'est quand même vrai que quand j'étais né,
Vous aviez déjà, moi j'avais déjà presque 9 ans. Ça fait donc que je vous ai vu comme une petite sœur qui est née, qui a grandi et qui est là aujourd'hui. Mais peut-être que ma façon de vous protéger, c'est de vous avertir de tout ce qui va arriver dans un homme, parce que je ne peux pas, moi-même, je ne peux pas voir des gens venir et peut-être vous agresser alors que je suis là et que je devrais peut-être calmer la situation. Mais la meilleure manière de calmer la situation, c'est de vous mettre en garde contre les agissements qui ternissent vraiment l'image de notre pays et qui font du mal à notre population. Le plus grand mal qu'on fait à une population, c'est ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, où des députés n'ont pas eu droit à ce qui leur revient, même si après, on va user de toutes les méthodes pour qu'ils se taisent, mais quand même, un député a le droit d'avoir la loi qu'il va examiner et la loi qu'il va approuver ou pas. Tout vote pour ou contre contribue au vote. Mais, position, qui rendent compte au peuple de ce qui, des grandes décisions qui vont affecter leur vie? L'action, c'est quoi? C'est les Sécuriser engagements le qu'ils direct, auront à pardon, faire sécuriser face le direct. au cours de l'année suivante, à savoir. Sécuriser le direct. Facebook m'écrit, cette vidéo contient du contenu musical, audio ou vidéo qui pourrait appartenir à quelqu'un d'autre. Moi, je sais pas. Donc, si vous ne... Voilà ça qui est écrit ici. Pause publicitaire désactivée. Est-ce que j'avais d'abord la pub? Je sais pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas joué la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas joué la musique. Marie-Louane. Marie-Lou. Attendez, je filme d'abord. Je filme d'abord. Je fais une photo de ça. Moi, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire une photo du message Facebook là. Est-ce que j'ai joué la musique? Je n'ai pas joué la musique. Non. Qu'est-ce qui se passe? Appareil photo. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Visiblement. Envoyez les cœurs, pardon, sécuriser aussi le direct, non. Eche. Eche. Ah non. Si c'est pour perdre ma page, si c'est pour perdre ma page, c'est pas la peine. Tant pis. Et encore avec tous les voices que j'ai encore. Dit que j'utilise quelque chose qui appartient à quelqu'un, j'ai joué la musique, j'ai fait ceci. Je n'ai même pas joué la musique, même un peu ici. Même un peu, je n'ai pas joué la musique. Je continue. Administrateur, je fais quoi? Je bloque, j'arrête. Administrateur, réponds-moi, j'arrête. Je continue. Je fais comment? Mon administrateur est où? Je continue. Envoyez alors les cœurs, pardon. Il faut parler en même temps que tu fais jouer les voices.
Je n'ai pas de droit d'auteur, mais je n'ai pas joué la musique. En attendant, je ne vais pas dire que je n'ai pas de droit d'auteur sur quelque chose que je n'ai pas joué. Ok, je t'ai vu. Oui, je t'ai vu, je t'ai vu. Quand moi la panthère coupe et tu relances. Moi, si je coupe, je ne vais pas me reposer, pardon. Vous voyez que je n'ai pas de vie. Mettez les cœurs, sécurisez, je te le dirai, et on quitte derrière les problèmes partout. Moi, j'en ai comme ça, plein, 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 mais faites comme vous voulez. Mon administrateur a dit que je peux continuer, ça va. C'est pas facile, hein? De toute façon, c'est en train de finir. L'augmentation des prix des prestations, l'augmentation des prix des denrées agricoles, des denrées industrielles, de l'artisanat et tout ce que vous voulez, des prestations telles que, par exemple, les timbres fiscaux ou bien les services. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ou bien une femme du Cameroun ne puisse pas savoir qu'on va augmenter le carburant, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter l'huile ou le savon, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter les frais médicaux ou bien qu'on va augmenter le timbre fiscal, qu'on lui cache tout ça. Comment voulez-vous que cette femme-là, toutes les mesures que le président de la République prend souvent ne sont jamais exécutées, même à 1%. Voilà. Donc, on me dit de parler en même temps que la vidéo. Donc, je fais genre, je débat sur ce que le monsieur est en train de dire, quoi. Donc, je dois faire ça comme si je débat. Bon, je coupe un peu comme ça, je parle un peu et puis après, je relance. Il faut que la vidéo finisse. Parce que vous voyez, le nombre est là. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a presque 10 voix. On ne pourra même pas écouter toutes les voix aujourd'hui. Tu n'as pas le... faut mettre pause et tu parles un peu. D'accord, j'ai déjà parlé un peu. La preuve, le président de la République avait fait des grandes annonces le 31 décembre 2022. Ces annonces-là n'ont jamais été suivies. Et même aussi d'évaluer le budget qui avait été prévu pour l'année 2023, nous n'avons même pas senti comment ce budget avait été exécuté. Mais tout ce qu'on Ce qui veut, si on comprend bien, parce que je vous ai dit que ça, c'est quelqu'un, les membres des gens de là-bas. Si on comprend bien ce monsieur, c'est comme si qu'on n'était plus gouverné, quoi. Que c'est quelqu'un d'autre qui tient les rênes du Cameroun. Mais ne soyons pas tous stupides. Ne faisons pas semblant comme si on ne comprend pas la vérité que ce papa s'y est en train de nous dire. C'est ce que beaucoup de gens disent depuis, il y a au moins, si on doit appuyer sa foi, il y a au moins 3 ans que beaucoup de Camerounais disent et pensent que depuis ce nombre d'années, nous ne sommes plus vraiment gouvernés par notre président. C'est ce que ce monsieur essaye de nous dire. Oui, nous le savons. Je vous ai dit au début de ma vidéo que, même étant ici en Europe, n'est-ce pas beaucoup d'entre vous travaillent chez les personnes âgées? Donc, quelqu'un d'autre tient les rênes du Cameroun?
Oui. Voix. Malgré cette vie difficile, ce sont vos enfants que nous voyons peut-être à l'hôtel Hilton qui se vantent eux-mêmes d'habiter cet hôtel alors que vous avez tous les moyens de la vie pour pouvoir loger vos enfants. Mais leurs épouses, par exemple, vont rester à l'hôtel Hilton de Yaoundé, aux frais de l'État. On voit vos enfants qui sortent des vidéos comme quoi elle ou bien elle au singulier ou bien au pluriel va ou bien vont dîner à 5 heures du matin, d'après leur expression. La vidéo est encore là, tout en utilisant les véhicules de l'État, tout en utilisant les garde-corps, tout en utilisant les chauffeurs de l'État. Les enfants qui habitent Monaco, d'autres Paris, d'autres je ne sais où, d'autres dans les hôtels, ils tournent tout ça éparpillés alors qu'il y a bien des maisons qui peuvent les abriter. Moi, je suis dans l'obligation de vous dire que, Madame la Première Dame, vous êtes sous le coup d'une condamnation si votre mari part du pouvoir. Ou alors, même s'il reste, toujours est-il que vous n'échapperez pas à ce qui se passe là actuellement. Non. Donc je suis obligée d'entrecouper, je fais aussi mon petit remember, je donne mon avis par rapport au propos du voice, ce que nous sommes en train d'écouter tous ensemble, vous Camerounais et moi-même qui suis Camerounaise, qui voulons le changement, mais dans le fond, nous ne voulons pas un changement hein, dans la stigmatisation d'une tribu, nous voulons vraiment le changement. Donc ce monsieur, si on l'écoute bien, il dit que s'il vient à être amené à ce que on condamne notre première dame, il faudra qu'elle assume. Parce qu'à arriver à un certain moment, les choses ne peuvent pas se passer au Cameroun sans que notre première dame ne soit au courant. C'est ce que je vous dis depuis là, que Marlène Mvoutou, fais, prends le courage que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous là, vous ne pouvez faire. Oui. Tout le monde veut voir ses enfants grandir, tout le monde veut aller au pays, tout le monde a peur de mourir, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais je vais vous dire une chose que même dans une vie, même dans les pays occidentaux, oui, le changement ne se fait pas sans le sang qui coule. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des morts. Oui. Ce qui est, il y en a déjà, qu'on ne connaît même pas, qu'on n'est même pas au courant, il y a déjà, peut-être même ce monsieur qui a fait ce voice-ci, il a eu des recadrages et autres, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Sûrement ce monsieur qu'on écoute aujourd'hui là, a eu des remontrances. Parce que ce qu'il dit est vrai. Tout le monde le sait, tout Camerounais le sait. Ne venez pas parce que c'est moi, Bissot. Ne venez pas parce que c'est moi, Élise. Venez pas parce que c'est moi, Élise. Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous êtes là tous les jours, vous priez le Dieu du ciel que j'arrive au Cameroun, on m'arrête, on me met en prison. Oui, vous êtes tous là, nombreux. Réécoutons-le. Les gens sont condamnés. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à leur famille. S'ils sont condamnés et jugés, d'accord. Mais à dire que il y a des gens qui sortent des documents qui les libèrent et puis après, qu'on dit toujours que ce sont des faux documents, il n'y a que assez en ce moment, c'est qu'on vit tout ce qui se passe là au Cameroun. Le monde entier a bien su que le Cameroun n'a plus de valeur. Mais vous êtes une première dame. Vous êtes encore dans une cinquantaine d'années.
vous avez encore la possibilité de bien réfléchir. Mon conseil que je pourrais vous donner pour votre anniversaire d'aujourd'hui, c'est de préparer à prendre votre mari en 2025 et aller vous reposer en paix. Et de demander à votre mari de faire et de préparer une loi sur l'immunité des anciens présidents de la République. Peut-être que cela pourrait avoir un impact dans sa protection future. Madame la Première Dame, les femmes souffrent. Tout le Cameroun est inondé par des petites industries qui se font dans les maisons pour pourrir la vie des Camerounais, pour les empoisonner. Le Cameroun n'a plus de valeur. Aucune signature n'est authentique aujourd'hui. Cela doit s'arrêter. Je vais couper, ça bloque encore. On aurait pu penser que si vous voulez vraiment rester au pouvoir, mais de veiller alors qu'on nous fasse des routes. C'est-à-dire que si on fait la route, on la fait en bonne et due forme. J'ai voulu couper ça. Facebook a... Bon, bref. Ça tire déjà la peine. Donc, il faut que... Facebook, si aussi, hein. Facebook, pardon, il faut nous laisser. 2025 arrive. C'est chaud sur nous. C'est chaud sur nous, Facebook. Il faut vraiment que tu nous laisses tranquille. Vous voyez les cœurs? C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Quand je vous disais toujours ici, là, vous, que vous ne voulez pas le changement autant que le peuple et quand on désire le changement. Je vous ai donné des raisons plusieurs fois, toujours ici. Ça m'étonne que vous n'ayez pas encore arraché la page ici. Parce que vous savez qu'au fond de vous, beaucoup de choses que j'ai dit est vraie. Envoyez alors les cœurs. Nous sommes déjà presque 800 personnes. Quand vous vous êtes arrivés, le voice c'est fini, moi j'arrête la vidéo. Parce que sinon... Mamie dit que quoi? Bravo, Malin et Moutou. Ils vont vous donner raison et te demander pardon. J'ai dit tout à l'heure dans l'intro que tout le, ce que Malin et Moutou dit là, c'est ce que tout le monde, même les hautes, hyper hautes sphères, pensent et pensent. Voilà. Voilà ce que vous entendez là. C'est un monsieur. C'est un grand monsieur, une personnalité publique du pays qui a été là-bas avec eux, machin et tout. Sandra Rose, bonsoir, moi, Jean. Tu dis que je coupe le direct. Je vais couper le direct. J'ai fini le voice aussi, je coupe le direct. Il y a quoi? Quand on vous dit maintenant que venez alors parler du pays, on ne vous voit pas. Il faut faire le Japap, le Congo sans non, no sense. Vous êtes derrière, derrière. Si on a des enseignants, qu'on les paye en bonne et due forme. Que les prestations sont bien faites, que la corruption soit vraiment combattue. Que tout ce qui est mauvais soit vraiment combattu. Regardez les militaires qui laissent leurs femmes dans les maisons, des femmes comme vous. Mais à qui on n'arrive pas à payer, ne serait-ce que les petites primes qui leur reviennent. Il y a ceux qui reviennent dans le cercueil, il y a ceux qui reviennent peut-être étant déjà handicapés, il y a même ceux qui reviennent étant traumatisés. Mais on n'arrive pas à les payer normalement. Cette information aujourd'hui, tout en vous disant que oui. Vous êtes sous la menace, et vous et vos enfants. Oh oui, papa. Le président Paul Biya est épargné comme on avait épargné le président Bongo à côté, oh oui, parce qu'il était déjà malade. Oh oui, mon père. Et le nôtre, même s'il n'est pas malade, mais son âge ne lui permet pas d'entrer dans des prisons, mais c'est vous qui paierez tous les pots cassés.
Oui, C'est vous peut-être. qui paierez le prix de tous les désordres qui se passent là maintenant. Et moi, tout en vous souhaitant un joyeux anniversaire, je vous dis, prenez les dispositions qui s'imposent en tant qu'une femme, parce qu'un homme âgé n'écoute qu'une femme qui est à côté de lui et qui tient, qui prend soin de lui. Je Voilà. vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci, je ne vais pas vous faire écouter les autres voices. Je garde ça. Je garde ça. Si on peut retenir, je peux revenir sur sa dernière phrase, ces deux, trois mots, la dernière phrase là. Bon, vous allez envoyer les cœurs. J'espère que vous avez partagé. Si on coupe après, si Facebook fait ce qu'il a l'habitude de faire, bon. Moi, je vous ai dit ça que quelqu'un est venu écrire là qu'on vous attend au pays. C'est mon pays. Vous m'attendez au pays, mais c'est mon pays. J'ai un autre pays. Vous m'attendez au pays, je vais venir au pays. Est-ce qu'il y a un problème? C'est un voice, j'ai vu les internautes écrire là depuis là que oui, c'est un voice qui était déjà sorti et tout et tout et tout. Vous m'attendez au pays que. Mais c'est mon pays. Ce qui est sûr, c'est que je vais venir au pays. Si j'ai des accusations, je répondrai. Oui. Je répondrai. J'ai reçu un voice dans mon téléphone, un voice anonyme. Un voice anonyme et j'ai publié sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse. Je reçois les choses, je publie. Et puis voilà, j'ai fait écouter aux internautes, au peuple camerounais et au monde entier. Qu'est-ce que j'ai dit en dehors de ce que j'ai écouté? Et encore, j'aurais pu débattre. J'aurais pu même faire un débat par rapport aux propos du monsieur. Oui, je viendrai au pays. C'est ce que Marlène Mvoutou vous fait comprendre depuis. Que moi aussi, je l'ai joint. Alors moi, je n'ai pas voulu critiquer Marlène Mvoutou, venir l'insulter comme je vois certaines font là, que oh machin, n'insulte pas la première dame. Parce que moi, j'ai d'abord bien écouté. J'ai d'abord très bien écouté Marlène Mvoutou. D'abord de un. Elle n'a jamais, au grand jamais, insulté la première dame. Elle lui a fait des remontrances, des remontrances, et elle a donné son point de vue par rapport à le même voice que j'ai écouté, si que les dirigeants lui font comment comprendre que, mais vous êtes la première dame. Comment le prix du carburant peut augmenter, vous êtes là. Comment vont faire les ménagères? Ça, vous ne retenez pas. Vous ne retenez pas ça. Moi, je ne parle pas au nom d'un parti. Je n'ai pas de parti politique. Parti politique. Je n'ai jamais eu une carte électorale. C'est cette année-ci que je vais avoir ma première carte électorale. C'est cette année-ci que je vais avoir ma première carte électorale pour pouvoir aller voter. Qui je vais choisir, qui je vais élire. Je n'ai pas de parti politique. Vos RDPC, MSC, UDS, UD, machin, chouette. Je n'appartiens à aucun parti politique. Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore pour le peuple. Voici possible la renaissance du peuple et quand l'ouverture des yeux du peuple et quand. Voilà où je peux me mettre. Que, bon, moi je parle par rapport à. Je n'ai pas de parti. Je ne fais pas partie des gens qui courent derrière. Oui, il faut être au parti au pouvoir pour manger. Non. N'ai pas de parti politique. Ma première carte électorale, quand je vais l'établir, je vais vous la montrer. Et je dirais que maintenant, je peux choisir.
je peux choisir mon candidat. Je vais battre campagne pour mon candidat. Je vais battre campagne pour mon candidat. Tu n'appartiens à aucun parti. RDPC, franchement. Les autres. Je n'appartiens pas à un parti politique. Mais le moment arrive où, à mon âge, je dois pouvoir me donner le soin de décider qui sera mon futur président dans les années à venir. C'est mon droit. En tant que Camerounaise que je suis, c'est mon droit. Le monsieur a dit à la fin, il a dit ceci à la fin. Nous allons réécouter pour le plaisir, juste la petite phrase de la fin là. Voilà. Je ne me suis pas trompé. On a des anciens qu'on les paye en bonne et due forme. Que les prestations sont bien faites, que la corruption soit vraiment combattue. Que tout ce qui est mauvais soit vraiment combattu. Regardez les militaires qui laissent leurs femmes dans les maisons, des femmes comme vous. Mais à qui on n'arrive pas à payer, ne serait-ce que les petites primes qui leur reviennent. On garde. Il y a ceux qui reviennent dans le cercueil. Il y a ceux qui reviennent peut-être étant déjà handicapés. Il y a même ceux qui reviennent normalement. Qui souffre. Je vous donne donc cette information aujourd'hui, tout en vous disant que vous êtes sous la menace, et vous et vos enfants. Le président Paul Biya peut être épargné comme on avait épargné le président Bongo à côté, parce qu'il était déjà malade. Et le nôtre, même s'il n'est pas malade, mais son âge ne lui permet pas d'entrer dans des prisons, mais c'est vous qui paierez tous les pots cassés. C'est vous qui paierez le prix de tous les désordres qui se passent là maintenant. Et moi, tout en vous souhaitant un joyeux anniversaire, je vous dis, prenez les dispositions qui s'imposent en tant qu'une femme, parce qu'un homme âgé n'écoute qu'une femme qui est à côté de lui et qui tient, qui prend soin de lui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon. Il y en a d'autres, mais bon, ce sera pour une autre fois. Hein? Ce sera pour une autre fois. Pas pour cette fois-ci. Et c'est long, vous voyez, un seul live, un seul voice nous a fait plus d'une heure. Un seul voice nous a fait plus d'une heure. Et je sais que l'homme camerounais n'est pas bête. La femme camerounaise n'est pas idiote. C'est ça que j'apprécie. J'apprécie ça chez les Camerounais. C'est que nous avons la force d'envoyer nos enfants à l'école. Nous avons la force d'envoyer nos enfants à l'école. Donc moi, je sais que l'homme camerounais est loin d'être bête. Il n'est pas inculque. On va écouter un autre. Pardon, allez vous coucher. Vous voulez écouter un autre. Il y a les internautes qui ont dit là que les lois aussi étaient disponibles partout. Si vous avez des questions, j'ai 5 minutes pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, quelqu'un m'a posé des questions dès le début du live, je n'ai pas pu. J'ai dit que je veux d'abord finir l'intro et faire le truc que j'ai à faire. Si vous avez des questions, balancez vos questions. On conclut le live. On conclut le live dans le débat, non? On conclut le live dans le débat. Si vous avez des questions, la première question, je réponds.
Le genre de question, c'est que tu viens me poser. Quand on vous dit que vous les Camerounais, vous ne prenez rien au sérieux. Vous les Camerounais, vous ne prenez rien. Non. Vous avez. Parfois, même au pays, quand je suis au pays, je veux débattre avec les Camerounais. Tu les vois, ils sont dans leur monde, ils sont dans leur vie de tous les. Mais sur les réseaux sociaux, il faut les voir venir écrire, venir critiquer. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Si vous n'avez pas de questions, moi je vous dis au revoir. Liza. En tout cas, pour moi, quoi, me dire, il faudra peut-être commencer à parler de l'état de nos routes. Swaptagne dit ceci, il faudra peut-être commencer à parler de l'état de nos routes. Si on veut parler de l'état de nos routes, ça va nous ramener au ministre que le président Paul Biya a élu. Il est élu en président, un ministre, celui qui doit nous donner les routes. Ne sais pas qui c'est, mais j'essaie de prendre quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Comment voyez-vous l'après-guerre? Une très belle question. Comment voyez-vous l'après-guerre? Il faut déjà qu'il y ait un après-guerre. Vous envoyez l'invitation, on accepte que vous refusez, mais vous êtes vraiment comme on est lâche, un peuple de lâche.